Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit. Bonsoir. Bonsoir mon petit Richard. Alors c'est la rentrée à tous, hein. Dans la joie et la bonne humeur. On va vous exposer le nouveau programme d'ATVE puisque nous avons fait une longue pause estivale. Le dernier direct, il se passait à mairie de Saint-Alexandre, c'était le 7 juillet. L'occasion pour moi pour vous présenter le clip qui va permettre aux mairies de nous recevoir si tant elles en ont envie et afin de faire la promotion de leur commune ainsi que de leur force vive. À moi, Jean-Marc. Mesdames et messieurs, maires de vos communes, notre web TV, atv1.fr, vous propose de réaliser ces prochaines émissions en direct depuis vos communes. C'est déjà fait et concluant. ATVE se charge de toute la technique et de la grille de programmation en rapport avec les attraits touristiques, les atouts commerciaux et industriels, les projets de votre commune, photos et vidéos à l'appui. Pour parfaire cette promotion, entourez-vous des forces vives qui animent votre commune et offrez-leur ainsi une vitrine internationale. ATV1.fr est une télévision rodée qui depuis 5 ans expose au monde entier à travers ses reportages un territoire composé de 4 départements, l'Ardèche méridionale, la Drôme provençale, le Gard-Rhodanien et le Haut-Vaucluse. C'est la télé de proximité et du terroir par excellence, qui a réalisé 1 million de reportages et qui a dépassé depuis 2010 le million de visiteurs. Servez-vous de notre expérience, de notre technicité, de notre savoir-faire, de notre audience et de notre puissance de diffusion sur le web, en direct sur ATV1 d'une part, et en post-enregistrement sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Dailymotion ou Facebook, d'autre part. Profitez de notre offre de lancement, 4 émissions d'une heure réparties dans le temps pour 1000 euros. N'hésitez pas à nous contacter. A bientôt sur ATVE, la télévision qui vous sourit. Mesdames. Alors une longue pause estivale due en partie à l'échec de la couverture du Festival d'Avignon que nous devions refaire, mais en collaboration avec une des collectivités territoriales d'Avignon. Ouais. Alors, un petit rappel, l'an dernier, on était allé, on s'était pris peut-être un peu tard, on n'avait pas trouvé de local, c'était le restaurant Le Moutardier. L'année dernière, on s'était pris tard. Enfin, c'est pas qu'on s'était pris tard, mais enfin, on leur donnerait une excuse, comme quoi c'était un peu nouveau, ils ne nous connaissaient pas. Et on s'était débrouillé à trouver la terrasse du Moutardier. C'est lui Emmanuel qui nous a reçus et on a fait un carton. Un carton. Comme quoi notre télévision, eh bien, elle est porteuse de... Pendant le Festival d'Avignon l'année dernière, on faisait un peu plus de 300 000 visites par semaine. Donc c'était pas mal. Et on a reçu près de 200 compagnies en direct. En direct. Hein, plus. Et plus les reportages de rue que nous avons fait. Ce qui fait que ça fait... Et cette année, ils nous ont redemandé, ils ont vraiment apprécié notre média. Alors moi, j'ai eu plein de demandes de troupes de théâtre sur Facebook, etc., qui m'ont demandé, mais vous refaites cette année, est-ce qu'on peut passer, parce qu'en fait, il n'y a rien. Pour les troupes de théâtre, pour le off, on s'est aperçu qu'ils n'ont rien, ils ont le bouquin, et puis voilà, quoi. Donc ils étaient contents, enfin, je pense que... Alors, t'as eu les mêmes retours que moi. Hein. Fort de ce succès, avec notre Jean-Pierre qui s'excuse, il ne pouvait pas être là ce soir, on est allé voir la mairie de Saint-Alexandre d'Avignon, qui est UMP. On est allé voir le conseil général qui, lui, est PS. Et l'un comme l'autre, ils nous ont renvoyé, ils nous ont fait miroiter. Enfin, on avait espoir de... On n'était pas gourmands, on leur demandait un local, avec le haut des lits. Voilà. C'était pas... Parce que quand même, ça coûte d'aller à Avignon, on y était 2 fois par semaine, enfin, manger, les déplacements, tout ça. Donc on n'était pas gourmand. Et bien jusqu'au bout, on y a cru, et puis à la fin, patatras, il n'y avait plus personne. Alors justement, là on a quand même les grosses tendances politiques, et comme on est proche des élections présidentielles, moi j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est possible. Alors, on peut voir ça de deux manières. On peut voir ça de la manière max, en disant qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et on peut voir ça aussi d'une autre manière, c'est de dire que
où on en est numériquement parlant. Est-ce que techniquement, ces gens-là sont capables de nous accueillir pour faire des émissions? Parce que c'est eux qui ont les moyens quand même. C'est eux qui ont les moyens techniques, c'est eux qui ont les budgets, c'est eux qui disent, qui décident s'il va y avoir le câble, s'il va y avoir machin. Et ils ne sont pas capables, techniquement parlant, parce qu'on pourrait dire ça, à la limite, on va dire que ce n'est pas politique, d'accord? Je ne sais pas. Hein. Mais techniquement parlant, ces gens-là, à qui on donne des budgets pharaoniques, sont incapables aujourd'hui d'avoir une France numérique. Ben, en tous les cas, avec un débit moyen, on arrive déjà à faire quelque chose. Évidemment. Après, ils auraient pu améliorer, ils pouvaient faire mieux. Mais déjà, ne serait-ce qu'au niveau d'un local, nous, on se chargeait de la technique, eh bien, ils n'ont pas été foutus de nous recevoir. Et on ne demandait pas de subvention, on ne demandait pas... Ouais. Alors, moi je dis que c'est un grand dommage, parce que non seulement pour les troupes de théâtre, mais on aurait pu rester toute l'année. Parce que quand même, Avignon, c'est un centre important, où il y a des tas d'activités qui auraient eu besoin de notre support. À un moment de crise, je pense que notre média sert, puisqu'il est international. Et tout le monde est... L'année dernière, alors, on a un invité, même pas tout de suite, hein, tu passes après. Au niveau international... Puisque l'année dernière, quand on a couvert le Festival d'Avignon, donc par nos propres moyens, tout seul, grâce au Moutardier, on ne le dira jamais assez, parce que quand même, Manu, il nous a reçus sur sa terrasse, oui, tous les jours, devant le Palais des Papes, etc. Nous, on a sur les metteurs où on est, toutes les statistiques par ville, par pays, etc. Aux États-Unis, par exemple, le Festival d'Avignon a été vu... Mais des milliers de fois, quoi. Je veux dire, les gens sont venus voir les vidéos, sont venus voir les émissions. Eh bien, écoute, c'est ce que j'ai expliqué, autant à la mairie qui est UMP, autant au Conseil Général qui est PS. Moi, je le dis, puisqu'on va peut-être un peu s'intéresser, surtout par ton intermédiaire, aux élections présidentielles, eh bien, voilà, une de mes premières réflexions, à quoi ils servent, quoi. Il y a des moments, je me demande. Ouais. S'ils ne sont pas là pour encourager des initiatives, c'est que la place est bonne, c'est tout. Ouais, voilà. Ouais. Alors on en dira un mot. Moi c'est une des premières réflexions. On en dira, oui, quelques mots. Et justement, j'ai rencontré un homme là, qui a fait une conférence, je l'ai filmé, il s'appelle Pierre Rabhi, je pense que ça va être un candidat. Lui, il n'a pas d'ambition, mais quand même son message, eh bien, il est rassurant. Et j'ai envie de dire, enfin un candidat digne. Je ne sais pas si j'ai été assez clair avec ce que j'ai dit déjà. Donc ça amène finalement à un questionnement qui, moi, me chagrine énormément, parce que je considère qu'aujourd'hui, le fait de parler de sobriété commence à toucher de plus en plus de gens, parce que finalement, l'idée étant que par la sobriété, on acquiert la liberté. Et que ce n'est pas simplement un acte ordinaire. Ce matin, nous avons visité et inauguré les jardins. Je vous assure que j'avais vraiment du bonheur de voir cette initiative communale. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, le recours à la terre, c'est-à-dire, c'est pas seulement le retour à la terre, mais le recours à la terre, va être une obligation. Et que fait la politique, au plan national et international ? La politique fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. Et de l'autre côté, une société civile qui innove, qui imagine, qui produit, qui etc. Et qui, en fait, est en train d'élaborer l'avenir. Quand je vois combien de gens se préoccupent de comment se nourrir autrement, comment cultiver autrement, comment construire sa maison autrement, comment, utiliser l'énergie autrement, comment éduquer autrement, produire et consommer localement, enfin... incarner l'utopie, etc. Et je peux vous assurer que faire autrement maintenant devient quelque chose de plus en plus large. Je me rappelle, on avait soutenu toutes sortes d'initiatives, les AMAP, on avait soutenu bien sûr l'agriculture biologique, on forme les gens à cela. Et au début, c'était extrêmement laborieux. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'accélération et d'élargissement en quelque sorte de ce type d'options. Eh bien, tout cela me donne quand même une certaine, comment dire, un certain optimisme, une certaine joie,
parce que je crois que le futur est en train de s'élaborer. Mais ce futur, il est de fait, la plupart du temps, fondé sur une quête consciente ou inconsciente de la sobriété et de la simplicité. Et faire que l'imaginaire de chacun de nous puisse être en quelque sorte mobilisé pour que, ensemble, nous puissions imaginer le futur. On ne pourra pas, certainement pas, le laisser simplement mis sur rail et managé par un système politique qui lui-même est subordonné à la puissance financière. C'est absolument impossible. Moi, je suis agroécologiste et quand je vois l'extension de l'agroécologie qu'on nous demande, nous sommes créateurs de structures de formation, nous avons des programmes internationaux. Cela nous a mis en évidence que nous n'étions pas les seuls à aspirer à une autre société, à un autre monde, que nous étions nombreux, mais que nous n'avions pas la parole. Alors j'ai décidé pour 2012, c'est un scoop si vous voulez, nous avons décidé qu'en 2012 nous serions présents aux élections, mais non pas sous la forme de briguer un quelconque mandat ou quelconque suffrage, mais faire une espèce de campagne parallèle pour que, à travers une organisation qu'on appelle le Colibri, qui travaille au plan national, de faire que dans chaque région, on mette en évidence qu'il y a des gens qui innovent, qui réalisent, qui créent sur des bases concrètes. Et notre campagne serait « Un autre monde est possible » puisque nous sommes déjà en train de le créer par des innovations, par les alternatives qui sont mises en place et qui sont de plus en plus nombreuses et qui ne sont considérées que comme marginales. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures tous les problèmes, après avoir nous joui et dissipé sans compter. Donc ça se pose en termes moraux. Et pour moi, aujourd'hui, il est important que nous puissions, en conscience, prendre en compte le fait que le monde doit changer. Et si chacun de nous fait le peu qu'il peut, là où il peut, avec conviction, avec ferveur, nous pouvons bouleverser le monde. Et nous en avons véritablement le pouvoir. Mais à la condition, évidemment, de renoncer à cette logique ravageuse, à cette logique qui a donné au lucre la puissance absolue. Et si nous renonçons à tout cela et que nous venons à une politique de modération, cette politique de modération que j'appelle moi sobriété, eh bien je crois que l'avenir est assuré. J'en suis totalement convaincu et nous comptons les uns sur les autres pour faire tout ce que nous pouvons pour qu'advienne un monde satisfaisant et digne de l'intelligence. Merci beaucoup. Merci. Cette longue pause estivale de 2 mois, c'est pas synonyme de vacances pour ATVM, parce qu'on n'est pas resté les bras ballants, et vous savez que nous sommes lancés dans une nouvelle activité, l'activité cinématographique. Vous avez entendu parler de La Chevrette en chaleur, c'est notre premier long métrage, une comédie d'1h40, qui a eu un succès intéressant, puisqu'on l'avait diffusé en avant-première à Saint-Alexandre, salle pleine, et que des bonnes critiques. Et on a profité de ce temps pour écrire un deuxième scénario, long métrage aussi, de 2 heures, qui s'appelle Du sang et des arts. Ça se passe dans les années 47 en première partie, ça se finit dans les années 60 dans la deuxième partie. Et puis là, on est en train de monter un film documentaire qui va faire à peu près 70 minutes. Donc, un emploi du temps assez chargé pour ATVE, côté cinéma. Du sang et des arts. Du sang et des arts. Alors, amis producteurs, si vous êtes en quête de bons scénarios, eh bien, je vous suggère nos deux scénarios, là, une comédie et une comédie dramatique. On peut classer dans la comédie dramatique Du sang et des arts. Allez, un petit extrait de La Chevrette en chaleur, puisqu'on est en pleine période footballistique qui vient d'avoir les Coupes d'Europe et que Marseille s'est distingué. Allez, un petit hommage à travers le speed dating. Allez, allez, allez. Allez quoi? Allez, l'OM. Tu connais? Oui,
je crois. Tu imites une vache, c'est ça? Quoi? Mais t'es pas imitateur, toi, parce que tout à l'heure, le numéro 4... Oh, je suis le numéro 13, moi, c'est mon numéro fétiche. Je suis fou, moi. Regarde, j'ai le même à la coupe à Rudy Voleur, fille à la 93. Regarde. Ah oui, très très joli ton écharpe. Yeah. Allez, l'OM, il pleut, il mouille, oh, il s'en bat les couilles. Et ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont où les Parisiens? Paris, Paris, on t'a une cul. Ouais. Oh, y a de l'ambiance tous les week-ends. Ah, tous les week-ends? Et on fait tous les déplacements aussi. L'OM, j'aime. Eh ben moi, c'est un homme qu'il me faut. Pas l'OM, un homme. Non, c'est bon. Oui, mais j'ai déjà parlé, oui. Mais... Oui. Oui, mais j'ai déjà parlé des autres. Ah, on est déjà là. Oui, alors, l'activité, comme je disais que ATV1 n'était pas en vacances pour autant, c'est aussi la diffusion de... le tournage de reportages qu'on va vous offrir tout au long de l'année. Donc on en a fait quand même pas mal d'intéressants. Et il y en a un qui est en rapport avec justement le film documentaire. Je vous ai trié celui de Eve Paolini. J'élève des bovins au braque. J'ai choisi cette race parce que c'est une race qui est extrêmement rustique et très adaptée à la sécheresse des terrains qu'on a ici et au climat méditerranéen. C'est une race qui peut vivre toute l'année dehors. C'est ce qui explique que je n'ai pas de bâtiment et que mes vaches pâturent toute l'année dans les bois et les garrigues qui sont situées aux environs des gorges de l'Ardèche. J'ai choisi d'élever mes animaux en bio. Ce qui veut dire que je respecte un cahier des charges assez sévère concernant à la fois leur alimentation, leur mode d'élevage. Mon inscription en agriculture biologique, c'est avant tout une philosophie aussi de l'élevage et plus généralement une philosophie de vie. Je commercialise essentiellement du veau qui est élevé pendant 8 à 9 mois avec les mères, donc dans les pâturages. Donc de lait maternel également, d'herbe, de broussailles. Et je commercialise toute ma production, soit à peu près une trentaine de veaux par an, en vente directe. Je fais partie de deux AMAP, une à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme et une à Saint-Alexandre dans le Gard. Et je commercialise aussi via un réseau local que j'ai constitué moi-même. Je suis venue en Ardèche un peu par hasard, mais il se trouve que le milieu s'y prête très bien au type d'élevage que je pratique, c'est-à-dire un élevage extensif, le plus proche possible des rythmes naturels et dans un environnement préservé et sauvage. Je pense que c'est nécessaire maintenant de consommer localement. Ça me permet également de créer un lien assez fort avec mes clients, un lien de convivialité, de sympathie, voire même d'amitié parfois. J'aime beaucoup cette proximité-là entre l'éleveur et les consommateurs. Et à votre tour, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle famille. Alors Richard, à TV1, eh bien, c'est toujours les reportages de proximité, reportages du terroir même, on peut dire. C'est une activité cinématographique. Ça va être une émission autour des élections présidentielles. Alors les élections présidentielles, la campagne électorale en particulier, moi ce que j'aimerais bien qu'on... Les sujets dont j'aimerais bien qu'on arrive à parler, c'est les partis un peu délaissés, ou dont on n'entend pas souvent parler... les programmes, on pourrait faire une analyse des programmes, prendre un rendez-vous régulièrement et puis dire voilà, il y a un tel qui propose ça, un tel qui propose ça, mais quelque chose d'un peu clarifié. L'écho des gens
Oui, alors, ouais. Le truc, c'est peut-être demander, sur la base de tous les programmes, alors je ne sais pas comment on fait, si on le fait via Facebook, avec un forum, ou, hein, aux gens de construire leur propre programme, ce qu'eux verraient. Leurs suggestions qu'on pourrait faire passer. Leurs suggestions, etc. Les sujets, et puis travailler sur quelques sujets, la prison, l'école, les affaires, la bourse. La drogue. C'est un grand truc, la bourse. La sécurité, l'éducation. Qu'on explique. La banque de pas. Il y en a qui font ça très bien. Nous, on va essayer quand même de trouver un autre angle. Oui, on va essayer de le faire sous un angle, sous l'angle de la TV1, mais... Un peu plus pertinent. Un peu moins, on va un peu moins servir la soupe. Hein. Un peu moins servir la soupe, puis voilà, il y a quelque chose, alors je sais pas, qu'est-ce que tu avais prévu après L'essentiel quand même d'ATV1, c'est de vous proposer notre plateau, parce que ATV1, c'est avant tout votre télé. Donc venez vous exprimer, venez passer votre annonce, venez faire... connaître votre savoir-faire, votre talent, enfin, pourquoi pas votre coup de cœur, votre coup de gueule, si vous avez envie. Donc, profitez de ce média, il est à vous. Cette télé doit se construire avant tout autour de vous. Alors là, semaine prochaine, nous aurons des invités, mais commencez déjà à nous prévenir de votre venue, parce que, et nous envoyer des photos, voire des vidéos, voire de la musique, si vous êtes chanteur, pour qu'on puisse construire notre grille de programme. Vous avez vu que nous avons un logiciel qui nous permet quand même des montages intéressants, comme une vraie télé, on est une vraie télé du web avec le logiciel qui va bien. On est la seule vraie télé du web, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui font des émissions statiques, c'est-à-dire qu'ils les enregistrent et puis qu'ils les passent après sur YouTube, Dailymotion, etc. Je crois qu'on est ici en France encore à l'heure actuelle, malgré qu'on ait démarré. Enfin, toi, tu as commencé à TVA en 2005. Ah ben, ça fait 5-6 ans, oui. Ouais, voilà. Et ça fait mais 2 ans qu'on fait du direct. On est toujours les seuls aujourd'hui à faire une émission hebdomadaire en direct. Voilà, et même plus qu'hebdomadaire, puisque pendant toute l'année dernière, il y avait les mardis et les jeudis. Voilà. Donc, on avait fait même un direct jeune, c'est pas dit qu'on le refasse pas. C'est pas dit qu'on le refasse pas. C'est des émissions pour vous. Ce qui est important, ce qui serait bien aussi, faut savoir que par exemple là, en ce moment, on est diffusé sur le site de l'Office de commerce de Pierrelatte en direct. Hein, les gens peuvent nous voir, les gens qui passent sur le site de l'Office de commerce de Pierrelatte. Et que... Sur Dailymotion. Sur Dailymotion, ah ouais, voilà. Sur le câble, très important, vous pouvez nous voir sur le câble. Sur Dailymotion, sur votre télé, si vous avez... Lequel le câble, c'est... Alors, pour les gens qui sont sur SFR, je ne sais pas les autres... mais sur SFR, vous pouvez aller chercher Dailymotion et vous pouvez revoir toutes les émissions sur votre télévision normale, par la TNT, voilà. On n'est pas que sur le web, en fait. Voilà. On est aussi, je pense que sur les portables, on nous attrape alors, aussi. Alors, sur les portables, ça c'était une petite surprise, c'est qu'en fait, je vais sûrement, cette année, préparer une version flash pour les portables qui va fonctionner sur Android et on pourra regarder à TV1 sur Android directement. Ça fait longtemps que j'ai commencé à regarder ça, etc. J'y arrivais pas. Là maintenant on pourra diffuser à TV1 sur Android directement et voir avec votre petit téléphone, vous pourrez regarder à TV1 si vous n'êtes pas chez vous le soir à 18h. Et si vous avez quand même envie de nous voir en direct. Parce que c'est quand même ça le but du jeu, c'est le direct. C'est l'authenticité. Là, c'est le direct. Là, on ne triche pas, là, vous avez vu, voilà. On s'est pâté, on s'est pâté. On n'est pas dedans, on est en train de regarder autre chose, machin. Le technicien nous fait coucou, on n'est pas là. Voilà. Donc non, on a quelques arguments quand même. Ah ben, on a une puissance de diffusion parce que le direct c'est une chose, mais après il y a le poste. La post-diffusion, le post-enregistrement, puisqu'on a moi sur les réseaux sociaux, hein, comme YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter. Donc, vous avez tout à gagner, c'est gratuit. Seule chose, c'est de nous prévenir et puis d'être à l'heure, quoi. Hein, parce que ça démarre à 18h précise et il faut venir un quart d'heure avant, au moins, quoi. Hein. À 18h pile, c'est du direct. Vous vous asseyez avec nous, on discute et toutes les idées sont bonnes à prendre. Et après, on boit un coup, parce que c'est dans la joie et la bonne humeur, et dans la convivialité. Alors, on vous attend nombreux. Voilà. Et hein? je remets, c'est pour vous, hein? Sinon on arrête. Si vous ne venez pas, on arrête.
J'en remets une petite couche pour les communes et puis les associations, etc. Pensez bien à nous contacter parce que c'est quand même sympa. Nous, on a la possibilité de venir chez vous. On vous propose des packs. Alors, je sais, ça fait un peu vente, mais on vous propose des packs. On vous fait 4 émissions en direct de chez vous pour un prix. Pour 1 000 euros. 1 000 euros les 4 émissions. Les 4 émissions d'une heure. D'une heure. En direct de chez vous. En direct sur votre site internet. Je pense que, bon, il n'y a pas grand-chose qui... C'est une offre de lancement d'ailleurs. C'est une offre de lancement. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ça va se faire. Et, Donc ATV1 se déplace, hein, c'est tout aussi la magie de notre technicité qu'on commence à bien maîtriser maintenant. Hein. Largement. Hein. Et on peut faire encore mieux, on évolue petit à petit. Ça se demande de ne pas en profiter. Voilà. Alors ATV1, c'est encore quelque chose d'extraordinaire puisqu'il offre son agenda. Alors sur notre site, nous avons un agenda. Vous nous envoyez un JPEG vos affiches et nous, eh bien, on les diffuse en première page. En première page du site, ça restera sur la nouvelle version du site, puisque je vous ai dit qu'on allait refaire, on va reprendre toute la première page du site. On aura, bon, ça va pas changer, on aura la télé, les rediffs, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur Dailymotion, etc. Et sur le côté, on aura l'agenda comme voilà. Avant, ça je vais pas le changer. Et on retrouvera aussi le forum d'ATV1 sur Facebook. D'accord. C'est-à-dire que si vous laissez des messages, ils passeront en direct sur la première page d'ATV1, ce qui fait que ce sera vraiment interactif, vous pourrez poser vos questions. Bon, ça sera modéré évidemment, mais si vous êtes raisonnable, on sera aussi. Bon alors, à propos de ces sorties, Jean-Marc, j'ai retenu 2 coups de cœur, même 3, si tu veux envoyer le jingle. Bon, eh bien j'ai retenu la journée de demain, vendredi 16 septembre, à partir de 15h30, eh bien, nous avons Serge Rem, le président d'Informatique pour tous, eh bien, qui organise sa porte ouverte. Alors, pour tous les gens qui veulent faire de l'informatique, s'initier à l'informatique, voire en plus, hein, parce qu'il y a plusieurs niveaux, eh bien, je vous conseille vivement cette journée. Porte ouverte, ça se passe à Saint-Paulé-de-Caisson. Donc vous avez l'affiche, vous avez sur l'agenda, vous avez tout. Voilà, ça défile sur l'agenda en permanence. Ouais, ouais, ouais. Vous avez tout pour les coordonnées pour vous y rendre. Et puis vendredi, à la fin du mois, le 30 septembre, ainsi que le samedi 1er octobre, donc 2 jours, nous avons nos amis de la jeunesse. Les jeunes chambres économiques. Jeunes chambres économiques de Bagnols-sur-Cèze et du Gard-Rhône-Allier qui organisent Festiver. Alors. Là aussi, vous avez le programme, vous avez tout sur l'agenda, vous cliquez dessus, ça s'arrête, ça se fiche, l'agenda il sort, le programme il sort. Donc allez fêter la nature avec eux, probablement qu'on ira y faire un petit tour aussi. Et figurez-vous que ce sera nos premiers invités jeudi prochain, ils viendront parler de ce week-end sur ATV1, en direct. Et puis je me fais plaisir, je vous signale que dimanche, moi j'y serai, bon, chez notre concurrent, le moins redoutable, hein, TF1, dimanche à 10h30, eh bien, il y a France-Canada, rugby, dans le cadre de la Coupe du Monde. Eh bien, j'y serai avec mon petit pyjama. Je pense que ça mérite quand même ce rugby, là, c'est encore un sport qui un peu de noblesse. Ouais. Le mot de la fin. On vous attend tous impatiemment parce que c'est un redémarrage. On va essayer de se faire une année riche, concentrée et riche. On va remonter en puissance jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, je pense qu'on va, s'amuser, entre parenthèses, mais avec cette campagne, ça risque d'être intéressant. On peut s'attendre à des rebondissements. Ah oui, des commentaires intéressants. On va voir si...
si on nous fait monter la politique ou descendre dans les caniveaux, comme c'est le cas en ce moment avec toutes ces affaires. Ah oui, moi je passe une annonce quand même, je peux passer une annonce. Ah oui, bien sûr. Alors je passe une annonce parce que si vous cherchez des porteurs de valises pour l'Afrique, on s'appelle et puis on s'arrange. Allez, ciao. Bon alors, ce programme que nous avons un peu étoffé, eh bien, il sera peut-être encore plus étoffé par la suite. Ça dépend de vous, parce que vous aussi, si vous avez envie d'animer une émission qui vous tient à cœur, et si elle rentre dans les clous de la TVE, eh bien, pourquoi pas, hein, vous aussi, à vous d'apporter votre pierre à l'édifice. Alors, je suis très content de vous avoir retrouvé. Je vous dis à jeudi prochain avec grand plaisir et je vous embrasse. Alors, dans des endroits différents aussi, faut bien préciser, parce que jeudi prochain, je crois que on sera au café de la Bourse, à Brasserie de la Bourse, à poser des voilà, jeudi prochain, c'est la Brasserie de la Bourse et on va essayer de tourner, oui. Grâce à vous, on va essayer d'être dans des endroits différents. Alors peut-être, pourquoi pas Pierre Lac, j'espère qu'on va arriver à se pas trop loin, ou alors il faudra nous défrayer un peu les déplacements. Voilà, ouais, mais j'espère qu'on va arriver à faire des émissions. La Bourse, c'est très bien. Venez, en plus, à la Bourse, venez nombreux. Enfin, remarquez, vous pouvez venir nombreux ici aussi. Hein. Ah ben non, là, ici, c'est vraiment un studio, comment dire, de transition provisoire, quoi. C'était, voilà. Ah. Bon. Bye bonsoir. Bye. Ciao.